Comment aborder un homme timide? Bonjour et bienvenue à toi, je suis Gaëlle Gouy, ton experte en amour et en relations de couple. J'aide les femmes à sublimer leur vie amoureuse pour le meilleur et pour toujours. Aujourd'hui, je vais répondre à Fabienne qui m'a posé cette question: comment aborder un homme timide? Et si tu veux recevoir mes conseils quotidiens en vidéo, n'oublie pas de t'abonner en cliquant maintenant sur le cœur dans l'angle en bas de la vidéo ou sur le bouton rouge en dessous. Je t'offre également la possibilité de télécharger mon guide offert, mes 10 secrets pour rendre un homme accro et devenir la femme de sa vie. Il te suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour le télécharger et le recevoir tout de suite et gratuitement. Revenons maintenant au cœur de notre sujet. Comment aborder un homme réservé? En tant que femme, on a souvent l'impression que les hommes doivent faire le premier pas. Effectivement, depuis des générations, c'est plutôt la convention. Mais heureusement, les choses changent. Et je t'encourage également à oser choisir, toi aussi, plutôt que d'attendre d'être choisi. Les hommes timides n'oseront jamais faire ce fameux premier pas. Et pourtant, ces hommes-là sont certainement les plus sérieux, ceux qui souhaitent une relation stable et durable et qui n'iront pas voir ailleurs dès la première occasion. Ces hommes ont beaucoup de valeur à mes yeux. Je me suis rendu compte avec les années que les hommes qui t'abordent facilement peuvent parfois être de beaux parleurs et de simples coureurs. Je dis pas que tous les extravertis sont dans ce cas-là, heureusement, mais ce qui est sûr, c'est qu'un homme timide ne sera jamais un coureur ni un beau parleur. Pour aborder un homme timide, il faudra oser et en même temps lui apporter la preuve qu'il ne se fera pas rejeter. Donc, dans tes attitudes, dans tes messages ou dans ta façon de lui parler, tu vas devoir augmenter légèrement le volume de la séduction. Les hommes timides ont tellement peur d'être considérés comme des gros lourds qu'ils n'oseront pas t'aborder vraiment. Et ils auront plutôt le rôle de meilleur ami ou de confident. Leur deuxième grande crainte, c'est de se faire rejeter, comme d'ailleurs beaucoup d'hommes. Si tu aimes secrètement un homme timide, eh bien, tu as deux solutions. La première, ça va être d'oser carrément faire ce premier pas à sa place, et quoi qu'il arrive, il faudra te dire que tu n'as rien à perdre. Le deuxième va être de l'encourager à faire ce premier pas lui-même. C'est-à-dire que tu vas lui envoyer suffisamment de signaux clairs pour qu'il soit sûr que s'il se lance, tu diras oui. J'ai d'ailleurs créé une méthode pour séduire un homme par SMS d'une manière suffisamment subtile pour que finalement ce soit lui qui fasse le premier pas. Et c'est d'ailleurs de cette manière que j'ai séduit l'homme que j'aime et qui partage ma vie aujourd'hui. Car lui aussi fait partie des hommes plutôt réservés et si j'avais pas osé, il se serait sûrement jamais rien passé entre nous. Et on serait peut-être devenus simplement des amis. En fait, oui, la friend zone n'est jamais très loin avec ces hommes réservés. Alors, observe dans ton entourage et peut-être que celui qui te correspond n'est pas forcément sur le devant de la scène, peut-être qu'il ne fait pas partie de ceux qui se font remarquer en soirée, pourtant, il est peut-être là, celui qui saurait te combler. À toi de bien m'observer maintenant. En plus de ça, un homme réservé n'est jamais pressé. À la fois discret, il observe en secret et il rêve d'une femme qui ose l'aborder. Alors, les filles, quelques secondes de courage peuvent changer une vie. Alors, ose et dis-toi que, quoi qu'il arrive, tu n'as de toute façon rien à perdre. Et pour aller plus loin et notamment savoir comment devenir la femme de sa vie, n'oublie pas de télécharger mon e-book offert, le lien est en description de cette vidéo. Et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, bien sûr like et partage cette vidéo, ça me fera plaisir. On se retrouve ici ou de l'autre côté en formation ou en coaching pour t'aider davantage. En attendant, je te dis à très bientôt. Allez, ciao !